J'ai pas aimé l'autre café, fait que je me fais un autre cappuccino avec le café. Ouais, ça goûtait vraiment drôle, ça, la pacane, je sais pas. J'ai pas aimé ça. Vous me direz si vous l'avez goûté, si vous l'avez aimé. Bon, je me suis dit que je pourrais vous placer comme ça le temps que je me fais un masque. Puis en même temps, on pourrait jaser un petit peu. Parce que les dernières journées, on dirait que je me suis jamais beaucoup adressée à vous. Fait qu'il faut que ça change. Puis je veux aussi avoir un petit peu plus de Christmas spirit, parce qu'on dirait que les dernières journées, j'avais un humeur plus. Ou hier, j'étais plus triste, là. Finalement, j'avais fait un clip où je parlais du pourquoi, puis je l'ai supprimé, parce que. C'est ça, mais pour faire un wrap-up, c'était à propos des nouvelles règles pour Noël, donc les zones jaunes passent aux zones oranges. Pour la période des fêtes, puis c'est ça, il y a toutes sortes d'incidences. Sur les gens de ces zones-là, dans le fond. Là. Vous irez voir au pire. Vous savez pas de quoi je parle. Je pense que vous allez savoir. mais c'est ça. Fait que là, notre Noël est un peu compromis. On sait comme pas quoi faire. On sait pas si on sépare la famille en deux ou si on fait juste comme rien. On reste chacun chez nous. Puis en tout cas. Ouais. Oups. Fait que je vais mettre le masque. Non, je vais vous le montrer. Là, il y a des gens qui m'ont dit que des fois j'étais hors focus, mais c'est que des fois je le vois pas bien. Plus encore moins, en ce moment j'ai pas mes lunettes. Mais j'ai mis focus automatique. Parce que d'habitude je le fais comme moi-même. Mais là je me suis bien rendu compte que même si je le faisais moi-même, c'était pas tout le temps vraiment réussi. En tout cas, je pourrais me regarder dans l'objectif, mais honnêtement, je vois rien. Voilà, ça c'était comme un petit format là. Ouais, fait que c'est de Caudalie, c'est. J'ai dit, c'est le Instant Detox. Fait que c'est leur masque pour nettoyer les pores. Ce soir, je travaille de 5 à 9. Fait que c'est des petits chiffres, mais le mercredi, il faut que j'enlève toutes les étiquettes. Parce que les soldes finissent, puis il y en a vraiment beaucoup. La semaine passée, j'ai vraiment struggle à finir à temps parce que j'avais commencé une heure avant, là, je pensais que c'était assez. Mais finalement, il y avait des madames qui avaient besoin de mes conseils, puis là, ça m'a ralenti dans mes étiquettes. Là, j'étais bien stressée. Fait qu'aujourd'hui, je pense que je vais commencer avant. 2 heures avant, tiens, je vais avoir le temps d'enlever toutes mes étiquettes. Parce que une heure, je vous jure, j'ai été sacrée. Ouais. D'habitude, moi, je faisais pas les mercredis, là. À Montréal, qu'est-ce que je faisais comme journée? Ben c'est que là, c'est juste comme pour dépanner, en tout cas, pendant une couple de semaines. Là, genre, la face toute rouge, mais c'est normal, c'est de l'argile rose. À un moment donné, j'avais mis ça dans ma story à mes privés. Puis là, j'avais une amie qui m'avait dit que j'avais de l'air de comme m'avoir eu vraiment chaud au gym. Mais non. Ce n'est qu'illusion, c'est un masque. Ouais. Fait que ce soir, je travaille. C'est pas mal tout ce que j'ai prévu dans ma journée. Faut le shaker. Ok. Puis sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui! J'aimerais vraiment ça. Je vous demande un service. Si vous pouviez, comme, m'écrire un commentaire à mes vlogs. Puis mettre un like. Ça me ferait vraiment plaisir parce que j'aurais du feedback. T'sais, des fois, j'ai comme l'impression que je me parle un peu de ça. Mais c'est pas vrai. Des fois, les gens m'écrivent, mais comme plus sur Instagram ou tout.
Mais si vous écrivez direct sur YouTube, ben ça m'aide parce que ça met mes vidéos en recommandation pour d'autres personnes. Fait que c'est vraiment une façon d'encourager ma chaîne puis de la faire grandir. Fait que ouais, un petit like puis un petit commentaire. C'est vraiment ça qui aide l'algorithme de YouTube, dans le fond. Fait que voilà. Si vous pouvez m'écrire un petit commentaire de temps en temps, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis là, je viens de penser au fait que pourquoi je mets un masque comme ça fait vraiment laid. Dans le vlog. Mais bon, hein. Ça me tentait de faire un petit... ça fait cocooning là, avant de me maquiller et tout. Il est... je vais pas remettre mes lunettes quand même. Il est 3h20. J'étais en train de me rattraper dans les vlogs de Zoé Sog. Il m'en manquait comme deux. Que je suis rendue au dernier qui me manque. Mais elle a fait vraiment des vlogs de genre 35-40 minutes. Donc des fois, c'est long de toutes les rattraper. Là. Ah non, j'ai presque plus de batterie. Bon. Ben, je pense que je vous ai parlé de ce que je voulais parler en tout. Là. Puis. Qu'est-ce que je voulais dire, toi? J'ai pas de mémoire. Je pense que je voulais juste comme ouvrir puis, la caméra puis aller avec ce que je trouvais à dire. Mais c'est vrai que je trouve pas grand chose à dire. Et je vais attendre que ce masque-là sèche. Je vais le rincer. Après ça, je vous reviens pour me maquiller. Tiens. Je me suis dit qu'en même temps que je me maquille, je pourrais vous faire une review sur les produits que j'ai de Rare Beauty. Donc la compagnie de Selena Gomez. J'ai déjà testé plusieurs fois le eyeliner parce que je voulais me faire une idée de ce eyeliner-là. Puis j'ai déjà parlé dans les Insta Story, mais je le trouve vraiment bon. Mais plus difficile non, pas plus difficile d'application, mais c'est qu'il est un petit peu plus long que ce à quoi je suis habituée. Fait qu'il y a des fois, je sais pas, je trouve ça un peu plus dur. Mais il est vraiment quand même user-friendly. Puis si vous voulez commencer à mettre du eyeliner, ça pourrait être un bon là, pour... commencer à vous pratiquer. Fait qu'il s'appelle le Perfect Strokes Matte Liquid Eyeliner, mais je crois pas qu'il y en a d'autres. Il y en a juste un, puis il est dans le noir mat. Puis c'est un embout qui est en pinceau. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment mieux les embouts pinceaux que les embouts feutres, personnellement. J'aime vraiment mieux ça. Je trouve que ça glisse mieux. Les embouts en feutre, des fois, ça fait des coches, parce que à la minute qu'on a de la texture sur la paupière, ça skip. J'ai beaucoup de mots en anglais, mais souvent, les termes maquillage, c'est beaucoup en anglais, là. Donc voilà. Puis encore une fois, en ce moment, je ne vous vois pas pantoute. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait qu'il y a le eyeliner, il y a un rouge à lèvres que j'ai pas testé encore, qui est comme un rouge à lèvres baume à lèvres léger. Puis un blush en liquide. Fait que je vais commencer par juste faire le reste de mon teint. Fait que mon fond de teint préféré du moment, c'est de chez NARS, le fond de teint correcteur velours mat, qui est récent, je pense qu'il est sorti en automne, comme septembre ou octobre. Là. Puis heureusement, je me vois comme dans mon miroir, mais vous, je vous vois pas. Fait que ça me prouve vraiment à quel point que ma vision, c'est plus de loin que j'ai de la misère. J'aimerais ça avoir des verres de contact. J'en avais pendant un mois. Ben, je les mettais pas souvent, là, mais là, maintenant, ils sont comme... expiré, fait que je les ai jetés. Puis j'en ai pas eu d'autres depuis. Bon, là, je vais juste mettre mes cheveux dans mes oreilles. Je vais voir si j'ai besoin de les attacher. Mais... dans le moment, mon cachet préféré, c'est le Clarins Instant Concealer. Puis moi, j'ai dans la couleur 1. Il n'existe plus maintenant parce qu'ils en ont sorti un nouveau. Ils ont comme discontinué les autres cachets qu'ils avaient pour en sortir un qui fait comme. Tout en un, là. Mais celui-là, je l'aime parce qu'il tient bien, mais il est vraiment hydratant. Puis je commence à avoir des petites ridules, tranquillement, pas vite. Fait que j'aime ça quand c'est hydratant pour, justement, ça évite un peu que ça rentre dans les ridules.
ma poudre de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish dans le 1. Puis avec un petit pinceau comme ça de Real Techniques, je vais juste poudrer le dessous de mes yeux. Parce que à ce fond de teint-là, j'ai pas besoin de le poudrer, mais mon cache-cerne, j'ai besoin de le poudrer un peu. Sinon, ben des fois, mon mascara coule dans mon cache-cerne. Ben pas cool, mais comme il s'étend dedans. Là. Comme ça. Puis j'ai mis aussi du cache-cerne sur mes paupières pour faire un peu une base. J'ai décidé aujourd'hui d'utiliser la palette pour les yeux Going Coconut de Colourpop que j'ai commandé cet été, je crois, puis j'aime beaucoup. Fait que voilà, je vais faire un petit look super simple avec cette palette-là, je la trouve vraiment versatile. Comme bronzer, je vais mettre celui de Fenty Beauty. C'est celui en poudre. Sunstalker poudre bronzante instantanée dans la couleur Indasun. J'en mets beaucoup parce que je la trouve pâle, mais en même temps, elle est vraiment belle pareil. Je l'aime beaucoup. Ah, ça me fait vraiment du bien de le laquer. C'est des fois, là, genre, je sais pas, t'as un bout de. C'est retourné dans du maquillage, genre de confiance. Confidence ou je sais pas. Je pense que je vais peut-être remettre encore une fois mes faux cils que j'avais mis l'an passé, la semaine passée. Bon. Ok. C'est pour le bronzer. Normalement, j'aurais mis mon blush de Patrick Ta, mais là, je vais essayer celle-là. Je vous disais, en crème. Normalement, je suis vraiment pas tant fan des fois en crème. Là, ça va être mon eyeliner. Cette étape qui peut être tricky des fois. Il y a des bonnes journées d'eyeliner et il y a des moins bonnes journées. Fait que là, c'est celui de Rare Beauty, comme je vous dis. J'ai fini de mettre mes faux cils, encore une fois, c'est de New Dan Glossy, une compagnie québécoise, qui appartient à une youtubeuse. Non, une instagrammeuse que j'aime. Puis c'est dans le style Sweetie. J'ai fait mes sourcils aussi. Puis il va me rester à mettre le blush. Puis ça, c'est un petit format mini. C'était comme dans un petit kit que j'avais commandé. Puis j'ai vu des reviews, puis les gens disaient de le mettre sur notre main avant, de l'appliquer sur les joues pour pas que ça fasse des petits points, parce que tu sais, c'est en liquide, là. Avec quel pinceau je vais mettre ça? Je pense que j'ai allé avec un pinceau comme ça. C'est un pinceau à fond de teint, mais il est plus dense. Fait que tu sais, pour les. J'ai l'impression que ça va mieux aller pour fondre les couleurs en crème. Fait qu'il s'appelle Bliss. C'est un petit rose, puis c'est dans les mois parce qu'elle a aussi sorti des blushs brillants. Mais celui-là, apparemment, c'est ça, ça vient. C'est comme un liquide comme ça. Puis là, on l'applique. Puis ça devient moi. Peut-être que je devrais prendre quand même un pinceau qui va l'appliquer sans comme bouger mon fond de teint. Mais je pense pas que ça bouge mon fond de teint. Tu sais, des fois, il y a comme des produits crème qui lift le fond de teint, genre. Je me semblais que j'en avais mis beaucoup, mais il est comme tout sur ma main. Je vais le laisser plus dans un stock liquide. Ok. Comme
j'en mets un peu avec mon pinceau à blush. Ça le fait. Le highlight. Depuis un bout, je mets vraiment plus de highlight, genre en poudre. Mais souvent, quand je mets le blush de Charlotte Tilbury qui a comme du highlight au milieu, ben je prends juste le milieu. Je pense que je vais faire ça avec mon pinceau comme ça. Je vais prendre le milieu qui en a de moins en moins. Puis je vais en mettre sur le top ici, juste pour faire un petit peu. Brillance. Il va rester à mettre le petit bon ma lèvre teintée. Puis là, je sais pas si ça va être comme bonne couleur, genre pour aller avec le blush. Mais puis les ombres paupières, mais en même temps, mes ombres paupières sont vraiment genre neutres. Mais ça, c'était comme un kit ensemble. Fait que j'ose croire qu'ils les ont fait bien matcher. Là, j'ai dû fond de teint sur les lèvres. Puis évidemment, le rouge à lèvres, il va falloir que je l'enlève quand je vais mettre mon masque, mais voilà. Fait que lui, c'est dans la couleur Thankful, je pense que je l'avais dit tantôt. Bon, ma lèvre frais, qui s'appelle en français. J'adore la texture. Vraiment soyeux. Très, très lisse. Bon, là, je viens d'allumer mon fard plat, puis de regarder dans la caméra, puis j'étais hors focus, fait que ça se peut que je sois hors focus tout le long, mais regardez. Try my best. Fait que, voilà, j'ai juste passé un petit coup de fard plat dans mes cheveux. Commence à être un petit peu plat, ici. Je les revoluminerai avec du shampoing sec, mais j'en ai pas en ce moment. Ça va être trop de lumière avec ça, là, je pourrais juste utiliser la lumière naturelle. Ok. Fait que ouais, sur les produits, j'ai beaucoup aimé le blush, je le trouve beau. J'en ai mis beaucoup, là, mais je sais pas, je testais la technique. Puis le baume à lèvres aussi, je le trouve super beau. Là, genre en plus, j'ai la lumière. Ok, je vais juste mettre la lumière naturelle. J'avais la lumière dans mon ordi. Mon amie Camille, elle avait acheté les mêmes, puis elle les a testés avant, là. Parce que c'est moi qui les avais commandés. On en avait chacun un kit. Puis elle aimait ni un ni l'autre des produits. Mais moi, je les aime. C'est juste qu'elle aimait pas les couleurs. Pour sa peau, genre. Ok. Avec mon petit fard plat. Bon, ben, je voulais juste vous dire que je m'en allais travailler. Fait que je vous reparle quand je reviens. Mais c'est ça, je travaille jusqu'à 9h. Bon, je suis rendue à mon travail. Mon père m'avait dit partir quand même plus tôt parce que ça glissait dans les chemins. Moi, j'ai pas vu que ça glissait tant que ça. Sauf que là, je me suis parquée n'importe comment parce qu'on voit pas les lignes jaunes. Mais je me suis parquée dans le bout parce qu'il y a genre juste les employés pas mal qui se mettent là. Il y a plein d'autres parkings. Ça va être correct. Mais on dirait que j'ai de la misère à me parquer ces jours-ci. Mais c'est vraiment à cause que on voit pas les lignes comme la petite neige. Bon, fait que je vais work. On se reparle après. Bon, on les a finalement eu. Fait que je vous en parlais, là. Je vais m'en prendre un. Je vais le payer tantôt à ma pause. Il ressemble à ça. Vraiment full beau. Je suis contente. Ça en est de son unité, sinon les autres petits roses, ils là tout le temps. Et voilà. Pouvez-vous croire que quand je travaillais, mes fossiles de ce côté-là se sont décollés à l'avant. Fait que j'ai dû les enlever. Je me suis fait un genre de petit sac en papier pour les ramener. Parce que, tu sais, je les ai payés cher, ces cils-là, puis je vais les remettre. Fait que j'ai enlevé mes fossiles, puis j'ai remis genre du mascara, parce que j'en avais pas beaucoup.
C'est vraiment niaiseux. Mais j'avais pas emmené ma colle. D'habitude, quand je mets des fossiles, j'emmène ma colle pour en remettre. J'avais pas emmené. Fait que je l'ai enlevé. Bon, comme je vous disais dans la voiture, il a fallu que je mette mes fossiles dans un genre de petit sac. On dirait que j'en ai des araignées, mais je vous jure, c'est mes fossiles. Puis j'ai acheté en spécial en plus à 24$, mais ça finissait ce soir le spécial. Fait que malheureusement, après ça, ça va être au prix régulier. Qu'est-ce que tu dis, Chloé? Ah, dans Animal Crossing, il y a des étoiles fermes. Bon, attendez. Fait qu'il est comme ça. Mais je pense que je l'ai montré tantôt à la pharmacie. Demain, je vous montrerai sur mes lèvres qu'est-ce que ça fait. Mais ça me tente pas. Je suis en train de faire le montage. Il est minuit. Puis je me rends compte que j'avais pas fait de conclusion. Fait que je voulais juste conclure. Et demain, j'ai mon dernier examen. Attends, j'en ai l'école. Oh my god. Puis par la suite, on va faire des petites commissions. Il faut aller chercher des affaires, etc., etc. On se voit demain pour voir tout ça. Bye bye.